En France, un incendie dans une raffinerie de pétrole. Cela s'est passé ce matin à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Le bilan est de 2 morts et 5 blessés. Yannick Arroussi, Jean-François Giorgetti. C'est là-haut, à plus de 60 mètres du sol, que les deux employés de la BP ont trouvé la mort. Ils procédaient à l'inspection de la colonne de distillation, qui n'est plus en activité depuis 12 jours, pour subir son entretien de routine. L'origine des deux décès n'est pas connue pour l'instant, asphyxie ou brûlure. Les circonstances même de l'accident sont floues. Seul un nuage de fumée échappé de la tour a été aperçu. À l'intérieur, pas d'explosion, mais certainement un incendie très soudain. C'est probablement l'auto-inflammation de sulfure de fer qui est probablement la cause. Pour l'instant, je ne peux voir que ça, mais l'enquête en détail nous dira exactement ce qui a pu se passer. Selon la direction, la procédure de sécurité a été respectée, mais les syndicats demandent plus d'informations. Pour le moment, nous, nos interrogations portent plus sur la procédure avant l'arrêt, mais bon, on ne peut pas porter de jugement. Les experts du parquet sont déjà au travail et le syndicat CFDT a décidé de porter plainte contre X pour homicide et blessures involontaires.